Salut à tous, salut les bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Joyeux Noël. J'espère que vous avez reçu des très très beaux cadeaux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu en cadeau, on aimerait bien savoir. En tout cas, aujourd'hui les gars, eh bien c'est pareil, on a eu un cadeau sur GTA 5, 0$, c'est le tout nouveau véhicule du DLC Contrat qui est gratuit pour Noël, pour fêter Noël. Et du coup, il a 0$ et on a aussi des motifs spéciaux, des motifs de Noël. Donc la salle, est-ce que tu vas bien déjà pour commencer? Yeah, I'm ready, I'm ready, I'm Il est ready. chaud, il est chaud, il est chaud. En tout cas, les gars, c'est parti pour la présentation du véhicule. Donc, comme je vous ai dit, il est gratuit. Donc, vous allez tout simplement ici dans Legendary Motorsport. Et voilà, c'est celui-là, le 4x4 Baller ST 0$ avec le motif. Alors, on a reçu d'autres cadeaux, comme par exemple ce masque de clown. Clownfish, quoi. Il est stylé aussi. J'aime bien. Vous avez eu l'armure à fond, vous avez eu des montres collantes, fusées de détresse, etc., etc. Enfin, comme d'habitude, hein, je veux dire, ça change pas tous les ans. Il n'y a aucune innovation, mais en tout cas, on est parti pour, du coup, la présentation du véhicule. Alors, blindage à fond, frein de course à fond. Forcément. Et encore dans les commentaires, vous votez entre la salle et moi qui est le plus beau. Alors, on est en carbone, plastique. Carbone, je pense. Pare-choc arrière. Ah ouais. Ah oui, c'est pare-choc, quoi. Ah ouais, échappement. Pare-choc. Alors, on achète mon tu vois, x2. Tu vois que le véhicule est plus stock. C'est vrai qu'il est plus stock. Par contre, franchement, je kiffe cela, les gars. Je sais pas, t'as mis quel pot d'échappement, mais... J'ai mis un pot loco, un pot... Alors, cadre de série, échangeur custom, pompe, petit logo, gros logo, et franchement, je préfère largement celui de série, hein. Il est 15 fois plus beau. Les autres, ça gâche tout. Le truc, il est dedans et tout, c'est trop bizarre. Ok, on va laisser de série. Ouais. Alors, capot. Alors, qu'est-ce qu'on a en capot? Et bah, capot aussi, hein. C'est compliqué, hein. Bah, franchement, capot. On est d'accord que celui de série, il est largement meilleur. Ouais. On dirait qu'ils sont sortis le véhicule comme ça, ils sont pas pris la tête sur les capots. Alors, éclairage, phare xénon. Support néon. Couleur néon. Pour l'instant, je sais pas du tout en couleur. Alors voilà les motifs. Du coup, vous avez des nouveaux motifs. Donc, je vais vous montrer après. Donc, déjà, on va voir ce qu'on a en motifs normaux. Ok. Ouais. Ok. Camouflage automne. Ranger de l'espace. Pour le roi et la patrie. Pour le roi et la patrie. D'accord. Pour le roi et la patrie. Bon, les deux sont dégueulasses. Et vous avez le. Bah, la custom, en fait, c'est une rayure de Noël. J'ai pris rayure de Noël, je sais pas ce que t'as pris la salle. Non, moi j'ai pris. Je sais plus. Je me rappelle pas du nom, mais. Mais il est vraiment. Ouais. Ça, on peut le dire. Comment ça? De quoi? T'as rien dit là. Si. Alors, en termes de couleurs, qu'est-ce que je peux mettre sur avec ce motif? Parce que j'ai envie vraiment de garder le motif de Noël, tu vois, parce que c'est le véhicule de Noël. Ah, ça se complique à un moment donné, parce qu'il faut choisir. J'ai mis blanc pour voir, mais... c'est le motif en fait qui est pas ouf. Hein. Alors, franchement, la couleur, t'as imaginé un truc ouais. Avec le motif de Noël là? Ouais. Ah ouais? Bah oui. Il faut imaginer quoi. C'est dans, tu vois, dans ta tête. Imagine. Oh, je vais mettre comme ça, je pense, les gars. En blanc aussi, il est beau.
Ouais, je vais mettre comme ça. Ok, couleur secondaire. Alors ensuite, on a orange profond, ils ont mis. Dans ce compteur, je vais mettre du rouge, je pense. Rouge, c'est bien. Rouge de formula. Après, je sais pas ce que ça change, mais pourquoi pas. Alors, couleur finition, on a quoi? Partir sur du rouge aussi, hein, rouge Torino. Ça, on met. Toi, alors. Est-ce que ça modifie un truc ou pas? Toi, épuré. Ouais. Ah non, c'est en carbone. Non, juste toi, épuré, je pense. Tourbillon, non. Pas ouf. Bad case de rue. Aileron. Il y a des ailerons ici? Ouais, mais bon, c'est vite fait, hein. Si on peut appeler ça des ailerons, quoi. Ouais. Pare-soleil, on met pas. Suspension, on met. Transmission, on met. Turbo, on met. Type de roue. Lowrider. Les types de roues. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les roues? Je vais mettre ça. Et genre, je vais juste modifier la couleur en noir. Et après, je vais voir ce que je peux mettre. Je pense qu'en roue, on peut mieux faire. Parce que celle d'avant, c'était un peu de ce style-là. Ouais, elles sont comme ça. Il faut que je trouve un truc comme ça. Déjà, celle-là, ça va bien. On va essayer, voilà ça. Les roues, t'as trouvé un truc? Franchement, oui, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. La vérité, il y a moyen de faire largement mieux. Ouais, pareil, les roues, je sais pas trop. Ouais, c'est un peu. Écoute, je vais mettre ça. Je vais regarder juste en circuit. En circuit, c'est pas mal aussi. Je les avais déjà mis celle-là aussi sur un autre véhicule. Ah, celle-là, j'aime bien. Souvenir, elles sont belles. Donc, on part là-dessus. Ensuite, vitre. Eh ben, je crois que j'ai fini la salle. Eh ben moi aussi. Alors. Rendez-vous. Bah rendez-vous n'importe. Hein. Il est quelle heure dans le jeu là déjà? Bah Elle est rendez-vous où tu veux, 18h. hein. Moi Bah vas-y, bah. je T'as les suis. customs? Ouais. Bah j'arrive au les customs comme ça, je vais pouvoir tester la tenue de route. Alors déjà, le 4x4 est très 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 balèze. Hein. Il est énorme. Ouais. Il est C'est vrai. assez gros. Et il a l'air de plutôt bien tenir la route quand même. Hein. C'est vrai que par rapport à la super sportive, la nouvelle là qu'on a présentée sur la chaîne de la salle, la tenue de route elle a rien à voir quoi. Bah par contre c'est normal hein, que ça freine comme ça, c'est la neige. Bonsoir, t'es où? Je sors là. Allez, on t'attend. Voilà Maxime, à vous de voter qui a le plus beau. T'as pris le véhicule là, le motif, ah ouais. Ouais, bah j'ai essayé de rester avec les mêmes couleurs, c'est-à-dire rouge et vert. Donc rouge et vert de partout, tout simplement. Ah ouais, mais par contre, l'intérieur de la voiture, il est dégueulasse. Je sais, mais il n'y avait pas le choix hein, pour rester sur Noël. Ah ouais, moi je suis parti sur un délire rien à voir. Moi je suis parti sur un véhicule noir. Avec l'intérieur en rouge et tout. Ouais, bah oui, bah. C'est ça, hein, c'est Noël, c'est la magie de Noël, c'est comme ça. Alors attends. Ah, les noms, je les ai même pas mis en plus. J'ai allumé mes phares. Alors attends, je vais tout ouvrir pour voir. Ou voir tout. Tu vois? Il est BG en intérieur rouge, hein, je trouve. Tout, tu veux tout ouvrir? Ouais. Non mais franchement le couleur de l'intérieur de la voiture ça c'est un peu catastrophique. Hein. Voilà, après à vous de voter dans les commentaires qui selon vous a le plus beau véhicule. Moi je suis pas très très fan de l'intérieur. Encore l'extérieur ça va mais l'intérieur de ta voiture
Waouh, quoi. Waouh. Faut faire quelque chose, quoi. Faut vraiment faire quelque chose à celle. En tout cas, il est gratuit, donc n'hésitez pas, profitez-en, parce que ça se trouve, ça va bientôt partir et ça va bientôt être gratuit. Donc profitez-en pendant les périodes de fête. C'est 0$ sur ce. Ciao, ciao.